Et c'est tout le monde, c'est magnifique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa. Aujourd'hui, on veut faire une comparaison contre la Ferrari 488 GTB, je crois, et contre la Porsche 918 hybride. Donc voilà, c'est celle-ci. Et franchement, c'était assez serré. Et voilà, et donc on va pas tarder à commencer à la première épreuve. Et voilà, pour la première épreuve, je vais commencer avec la Ferrari. Donc c'est le test de la maniabilité, tout ça. Et bah, la Ferrari, je trouve, elle était assez rapide, mais je trouve qu'elle n'était pas assez agile. Et j'ai eu un peu du mal à, dans des virages, et il fallait freiner un petit peu plus tôt que la Porsche. Et du coup, c'était assez... Enfin, quand même, elle est assez bien, mais dans les virages, c'est pas trop ça. Et voilà, maintenant on passe à la Porsche, à la Porsche 918. Donc moi je me suis dit que elle était mieux parce que elle est un peu plus agile et un petit peu plus rapide aussi. Et aussi, du coup, ce qui nous permet dans le virage de freiner un peu plus tard, et ça, ça nous fait gagner du temps dans les tours. Et du coup, c'est pour ça que bah, je l'ai préférée. Et du coup, moi je mets un point pour la Porsche. Et maintenant on passe à la deuxième épreuve. Donc c'est l'épreuve de rapidité. Donc je commence avec la Ferrari évidemment. Donc la Ferrari, elle arrive à 194 km/h. Voilà. 194. Et franchement c'est pas mal, mais on va voir avec la Porsche. Et voilà, donc avec la Porsche, donc elle a été plus rapide. Donc je vous dis, elle est allée jusqu'à 222 km/h. Donc c'est mieux que la Ferrari. Du coup ça fait 2 points pour la Porsche. Voilà. Et donc là on passe à la dernière épreuve, donc c'est l'épreuve de la beauté de la voiture. Donc il y a l'extérieur de la Ferrari, je trouve elle était quand même belle avec cette prise d'air. Il y avait pas mal de prises d'air, du coup moi j'ai trouvé ça beau. Et voilà, avec les jantes, tout ça, la couleur et aussi ces lignes, hein, ils sont quand même belles. Maintenant on passe à l'intérieur, et l'intérieur... je trouve il y a pas mal de boutons, mais il y en a pas énormément, et je trouve ça fait esprit sportif. Du coup je trouve c'est vraiment sympa. Et maintenant on passe à la Porsche, donc avec ses phares à LED, et aussi l'extérieur est vraiment pas mal, mais peut-être j'aurais peut-être un tout petit peu plus meilleur que la Ferrari, mais par contre l'intérieur, moi je préfère la Ferrari, et du coup j'ai préféré mettre le point à la Ferrari. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo assez courte, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc du coup c'est la Porsche qui a gagné, même si c'était quand même assez serré. Parce que c'était surtout l'extérieur de la Ferrari était vraiment pas mal, et celle de la Porsche aussi. Et du coup je trouve la Porsche remporte ce combat assez facilement. Elle allait plus vite, était un peu plus performante que la Ferrari, et voilà. Et aussi je trouve la Porsche elle est quand même assez bien. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Allez.
Allez, ciao.